Salut, c'est Greg de Lifestylers, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment. Là, je suis avec un ami qui fait du marketing aussi. Enfin, il est branché référencement, ergonomie. D'ailleurs, il prépare un projet. Enfin, on peut le nommer, hein, c'est Christophe Chaudet. Salut Chris. Salut. Juste pour vous expliquer le petit truc qui a dû surprendre Chris. En fait, je viens de brancher complètement à l'arrache le comment s'appelle le son quoi, le truc pour enregistrer. Et Christophe me demandait en fait comment on allait vendre un plugin qu'il a. Enfin, il m'a demandé, il a fait appel à moi pour le marketing. Enfin, bon, on a déjà échangé pas mal, etc. Et je lui ai en fait, je lui ai juste dit qu'on allait partir sur enregistrer plutôt que je lui explique la stratégie. En fait, simplement qu'on allait enregistrer, sauf qu'il n'est pas au courant en fait, hein. T'es au courant de rien là, hein. Enfin, on est d'accord. Oui, non, là pour l'instant je sais toujours pas ce que tu vas me proposer, mais j'attends. En gros, simplement le principe de voilà, enfin, moi je vais enregistrer une formation en même temps qu'on va faire ce coaching là, donc vraiment de transformer en fait, de pas hésiter chez vous quand vous avez des idées comme ça, quand il y a des gens qui vous demandent un coup de main. C'est un super moyen de créer du contenu. Ça peut être du contenu gratuit. Vous savez, si vous me suivez, enfin, c'est souvent je publie des coachings live, c'est-à-dire que j'aide un de mes clients ou quelqu'un, soit quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour prendre un coaching avec moi, mais par contre qui a des questions intéressantes, et boum, je branche tout ça à mon ordi en live et le micro comme je fais tout de suite, et j'enregistre un coaching. Comme ça fait un super contenu, c'est beaucoup plus vivant parce qu'il y a des questions, enfin, ça fait vraiment étude de cas aussi, enfin, des questions qui sont spécifiques. Ça peut être aussi le cas quand j'ai des clients en coaching, mais que finalement, sur un moment spécifique, il y a des besoins plus longs. Le fait de faire un coaching live, ça évite de rajouter 1 heure de coaching. Ça me permet de faire du contenu. Donc vraiment, c'est quelque chose dont vous pouvez vous inspirer chez vous pour faire d'une pierre plusieurs coups finalement, et de partir sur le fait de brancher le micro à l'arrache, et plutôt que simplement aider les gens qui vous posent des questions, parce que si vous vendez de l'information, ça va vous arriver 500 fois dans l'année, enfin, des gens vous posent des questions. Si vous les avez sur Skype ou si c'est des gens dont vous avez déjà le contact, ça va super vite. Et puis vous dites simplement à la personne, est-ce que ça te dérange, boum, qu'on s'enregistre en même temps? Alors soit vous pouvez filmer ça, soit vous pouvez faire comme moi, enregistrer, puis après transformer ça en vidéo rapidement. Enfin, c'est pas la question. Mais l'idée, c'est que ça fait du contenu facilement, et c'est surtout hyper facile de passer à l'action et de se mettre à créer du contenu. Là, juste pour vous donner une idée, il est quelle heure, Chris, là? Là, il est 21h moins 10. Voilà, donc il est 21h moins 10. En fait, ce qu'on va faire, bon, là, dans ce contenu-là, dans cette petite vidéo, tu vas être juste là pour le décor. On aurait mis l'image si tu avais été une jolie blonde plantureuse, mais bon, pour le coup, on va laisser ça en audio-vidéo. Je peux mettre une perruque, hein, si tu veux, y a pas de problème. Écoute, on verra pour le prochain. Mais le truc, ouais, c'est que pas hésiter à s'y mettre, boum, comme ça, là, ça fait une vidéo de contenu qui donne des conseils, par exemple. Juste le simple fait de faire ça en 3 minutes, comme ça, qui peut donner des conseils aux gens qui vous écoutent, comme moi, je vous donne des conseils à vous qui m'écoutez. Et en même temps, derrière, ce qu'on va faire avec Christophe, en fait, c'est que plutôt que de simplement que je l'aide sur le marketing, en fait, ça fait un petit moment qu'il m'a parlé de son projet, manque de temps, etc. Et du coup, c'est la bonne occasion et une bonne façon de procéder, hein, quand vous n'avez pas trop de temps, que vous avez pas mal de clients, pas mal de boulot à côté. Finalement, c'est que je vais enregistrer une formation en même temps que je lui explique toutes les stratégies marketing qu'on va utiliser pour vendre un plugin, parce que tu prépares un plugin, en fait, enfin, tu as préparé, tu as développé un plugin. Qui est super intéressant pour les gens qui font du marketing d'ailleurs. Oui, effectivement, oui. Voilà. Donc, je développe le plugin ou... Non, non, c'était juste histoire que tu dises un truc, toi. Non, ok. Oh, la vidéo à la con. Oh, je vais la laisser tag comme ça me plaît bien. Donc, pour récapituler, il est 21h moins 9, hein, maintenant, hein, du coup, les gens. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des idées comme ça, enfin, surtout des clients qui ont besoin, ou des clients ou des prospects qui ont besoin de réponses, enregistrez-vous ou profitez. C'est la même chose finalement quand vous faites un emailing, c'est la même stratégie. L'idée là, c'est vraiment hormis les petites blagues du soir, hein, mais c'est de réutiliser ce que vous faites. C'est la même chose quand vous répondez à un mail de personnes qui vous posent des questions. Dites-vous à chaque fois, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de profiter du fait qu'on me pose la question, que j'ai besoin de répondre? Donc finalement, c'est un déclencheur facile pour passer à l'action et pour empêcher de procrastiner, de tout remettre à plus tard. De dire, ok, je peux peut-être faire le truc un peu mieux.
et tout enregistrer, ou alors faire une template. Si c'est un mail, si c'est une question qu'on me pose souvent, bah, je peux faire une template, comme ça la prochaine personne qui me pose exactement la même question, bah, je vais lui envoyer le même mail, j'aurai juste à adapter 2-3 mots. Ou pourquoi pas, bah, voilà, si c'est une question très répandue, c'est l'objet d'une vidéo, c'est l'objet d'un article, d'un contenu pour votre blog, voire de faire un produit, bah, comme je vais faire avec Christophe. Juste après, là, on va finaliser cette vidéo, c'était juste la petite technique en plus. Et puis on va se mettre à créer la formation, même s'il est 21h moins 8 maintenant. On y va, Chris? On se fait une formation là, comme ça? On est parti, je te suis. Allez, on y va. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt sinon sur Lifestylers. Ciao!